dream is so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, it's under dude. You ain't got no money, I get to not go. I don't care if you do, it's under dude. You ain't got no money, I get to not go. Well, I guess if you say so, I pack up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Woman, don't you treat me this some way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, send it this, you ain't got no money, it's just not good. I guess if you say so, fuck up my things and go. I guess if you say so, fuck up my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Et yo le live, après cette super bien rangée sur cette musique, c'est parti, on va aller jouer à Lost Ark. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je voulais faire des upgrades avec mon perso. Peut-être que être en live va me porter chance, on va bien voir. Qu'on va aller faire. Ah, j'ai acheté une tenue aussi sur mon personnage. Voilà. Allez, go. On a quelques trails à faire sur l'arme. On peut booster, hein, mais on peut booster jusqu'à combien? On peut booster jusqu'à 30%. Ça fait pas des masses, hein, autant tenter, je pense, à 15. Hein. Allez, c'est parti. La chance d'être en live. Ouais, bon, un fail. Deux fails. On continue, hein, de toute façon. Et c'est passé quand même. En 3 essais, c'est pas trop mal. Hein. On peut même faire une tenta pour la passer plus 15. Hein. En vrai, on bourre. Hein. Let's go. Hein. Est-ce que ça passe plus 15? Ah non, ça aurait été trop beau. Eh bah allez, on va faire le stuff maintenant. On va monter. On va essayer de le monter plus douce du moins. C'est raté. Eh bah celui-là il veut pas. Hein. Celui-là il veut pas. Ouais. 41%, on va peut-être booster un peu, on va passer à 30. Ah toujours pas. Hein. Toujours pas, on va booster un peu encore. Ah ça veut pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bah allez, c'est passé. Il nous reste combien? Pas beaucoup de matériaux d'Oréa, faudrait que j'aille en recraft du coup. Mais bon, on retente 15%. C'est pas un jour où l'affinage me réussit bien. Allez, dernier try, après il faudra recraft, et dommage. Bon, on est pas si mal, hein. Là, mais bientôt plus 15, qui en vrai est une plutôt bonne nouvelle. En vrai, on a combien là? 1354. C'est pas mal, hein? C'est pas mal.
Du coup, il faudrait que je fasse de la fouille pour améliorer un petit peu mon équipement. Du coup, bah, on va aller faire de la fouille un peu. On va aller faire ça tranquillement sur l'île de Nialtalope. Allez, go. On y va. On fonce. Allez, petite séance de bateau. On va mettre un peu de musique. Hein. On va mettre de la no copyright song, bien entendu. On va éviter de se faire strike. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit best-of chill and relax gaming music. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Ouais, l'event qu'ils ont rajouté est vraiment cool. Bon, ouais, pour mes armes, il reste plus qu'un. Hein. Plus qu'un palier pour mes armes, hein. Ça fait plutôt plaisir. Hein. Ça fait plutôt plaisir. Puis ça va, ça m'a pas coûté trop cher en gold. Du coup, on va faire un peu de fouille histoire de récupérer des matériaux. On mettra quelques crafts du coup d'Orea en cours, et puis une fois qu'on aura mis tout ça en cours, on ira un petit peu sur les ailes. J'ai Rundel à faire sur deux persos, donc on en a un petit programme pour ce soir à faire du Rundel en boucle. Bah ouais, plutôt content là, il me reste plus qu'un upgrade à faire pour mon arme. Ça avance tout doucement, on est loin d'Argos encore, mais ça avance tout doucement. Ouais, 15% c'est une chance sur 10, hein, donc, enfin, un peu plus qu'une chance sur 10 que ça passe, donc pas étonnant d'avoir beaucoup de fails. Allez, let's go, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde pour pouvoir farmer efficacement. Et je pense qu'il y a déjà des gens qui farment, ça va être... Ah, ça, je crois qu'il me manque surtout des reliques anciennes, puisque des reliques d'Orea.
Ouais, parce que là je trouve rien, c'est pas normal. Ah, dommage. Est-ce que j'ai de l'essence de bon encore? Non, on va claquer de l'essence de bon. Hop, attendez, j'ai pas juste mon micro. Comme ça, on m'entendra un peu mieux. Ok, là, ça respawn. Let's go. Donc, ici, c'est vraiment cool pour farmer. Let's go. Je crois qu'après il n'y a plus rien à chaque fois, donc on va retourner en arrière. Allez, c'est parti. Bon, double récompense qu'on a. Si on arrive à avoir un coffre violet, enfin une fusion en violette, ça peut être pas mal. Hop. De toute façon, c'est plus ou moins toujours un peu les mêmes spots, donc ça c'est pratique. Hop, on va quand même check là-haut. Ouais, si, parfait, ça respawn là-haut. Hop, puis là on va espérer avoir un violet. Sur le bonus, ça peut être vraiment sympa. En espérant qu'on n'ait pas un start horrible au niveau de la fouille. Ça respawn pas. Ça respawn pas. Est-ce que je vais avoir le cinquième? Normalement, je devrais l'avoir, mais. Bon, là, il a pas respawn ici. Je vais pas avoir le buff. C'est chier. On va pas avoir de coffre. On va essayer de check en haut. Hein. Ok, peut-être en haut. Oh, il est en bas. Non, je vais pas l'avoir du coup. Ah, dommage, ah, pas grand chose. Ok, il y a un là-haut. Tant pis, on n'a pas eu le coffre. Enfin, la fouille au pinceau. Là, ça devrait avoir respawn, non? Ça n'a pas respawn ici? Ouais, bizarre que ça n'a pas respawn ici. Bon, on va check. Hein. Ah, ça n'a pas respawn, je crois.
Ça respawn pas. Ouais, c'est étonnant que ça respawn si peu. D'habitude, j'ai tendance à pouvoir facilement farmer ici. Mais là, ouais, ça respawn vraiment peu. On va le check en haut. Putain, mais ici, il respawn. Pourquoi ici, il respawn? Ah, du coup, il est en haut, là. Avec du gosse, il est en haut. Ok, ici il y en a, parfait. Quoi? Il est où? Ah mais c'est le coffre, je l'avais pas vu le coffre. Ok, bon, on a un nécessaire de fabrication, plus pas mal de ressources, ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir d'avoir eu un coffre. Ça rattrape un peu le début qu'on a eu un peu catastrophique. Allez, on continue. On va se faire un bon stock, comme ça on pourra en faire pas mal. On va retourner par là-bas. Ouais, il doit y avoir des trucs en bas là, je pense. Ouais, voilà. Le respawn ici, voilà, parfait. Et là, puis bah, on va espérer avoir un violet encore une fois, et on espère qu'on en trouve surtout. Ok, parfait. Violet? Ah, dommage, c'est pas violet. Mini-jeu. Un bon spawn, ça serait bien. Oh, c'est vraiment un spawn horrible. Hein. Allez, nickel. Ça m'a donné un coffre en plus, incroyable. Alors c'est pas du violet, hein, mais nécessaire de fabrication, deux fois. On se met plutôt bien, les essences de bombe qui restent quand même très pratiques. Hein. Doubler tout ce qu'on récolte. Alors est-ce qu'on va avoir un truc par là ou pas? Ou est-ce que je suis en train de faire le chemin pour rien? Non, est-ce que je fais le chemin? Non, c'est bon. Je fais le chemin pour rien. Le problème, c'est qu'il y a un mec qui a l'air fermé maintenant ici. On va essayer de passer outre. Et essayer de farmer plus que lui. Il doit y avoir un truc ici. Non, c'est pas là, il est où? En haut du coup. Allez, check en haut. Allez, nickel. Plus l'avantage, c'est que ça consomme très vite l'énergie. Nickel, allez. Corps 2.
Ouais, check là-bas, et s'il n'y a rien, on retourne en arrière. Parfait, il y a un truc. Allez, on a les 5. Attends, plus qu'à trouver un truc. En espérant que ce soit un purple. Ok, ici ça respawn. Ici ça respawn vite. Hein. Violet? Ah, c'est pas violet malheureusement. Let's go. Ouf. Il est petit celui-là. Et le dernier, on le rate pas. Nickel. Voilà, on s'est fait un bon stock. On va aller pouvoir faire des matériaux. On va se TP à Punica. Ensuite, on fait un coup de forteresse. Puis on va aller craft tout ça. On va aller craft tout ça. Vous êtes de retour. Je vous attendais. Certaines affaires méritent votre attention. Alors, on a fini la recherche ici, j'ai toujours pas assez d'énergie pour ça. On va faire cette recherche, tant pis. Et là, oui, vous êtes au bout du rouleau, je sais. Et là, voilà. On balance de la production en masse. Comme ça, on sera plutôt bien. On va relancer une mission, 69%, c'est pas trop mal. Puis au moins eux vont se reposer et on va juste voir ce que vend le marchand. On va juste voir ce que vend le marchand. Ah, ils vendent toujours le légendaire. Bon, la carte à 12 000, c'est pas pour tout de suite. Débordement vert, on s'en fout un peu. Paquet de cartes trop cher. NP. Du coup, on va changer de perso et puis on va faire la spirit. On va faire Wendell sur la spirit pour commencer. Alors, j'ai pas fait mes tâches d'Ouna sur elle. J'ai pas fait mes tâches d'Ouna sur elle. Le problème c'est qu'elle, du coup, je l'ai faite sur un autre perso. Du coup, on va faire quoi avec elle? Pas toutes les quêtes, hop. Peito, j'ai vraiment la flemme de la faire. J'ai pas fait celle de Stern avec... ouais, j'ai pas fait celle de Stern. Du coup, on va faire donc Totopia. Et on va parler avec des animaux, let's go. Pour leur apprendre à dire bonjour. Lui il s'en fout, lui il s'en fout. Hop, on parle à lui. Ah, là il y en a un. Ouais, une petite grenouille, une petite tortue, une grenouille. Petite tortue. Là il n'y a personne. Là on a une petite mangouste.
Hop, les bourses. Alors, il m'en reste 6 à qui parler. Je crois qu'il y en a par là. Ah, là, il y a le cheval 4 jours après son arrivée. Laissez-moi parler aux animaux tranquilles là. Hop. Alors ensuite. Là qui vient d'arriver. Il m'en reste 4. J'en ai manqué tant que ça. Jours, plus que 3. Il y en a peut-être un là-bas, non? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un par là? Non. Ah, lui, je l'avais pas vu. Plus là, la poule. Plus qu'une à parler, enfin plus qu'un animal à qui parler. Et là, parfait, on a fini la quête du coup. Et parfait. Ensuite, on va se TP donc à l'île des pandas poupou. Pour aller caresser des pandas. Allez, on va faire des papouilles au panda. Bon, on regarde le train de marcher. Voilà, petit bébé panda solitaire. Et on va faire lui. Ensuite, il faut aller à droite, je crois. Pour aller faire un petit mélodie d'équerre. D'ailleurs, elle, je vais la mettre en favori comme ça. Pas bien dans le cercle. Après être bien au milieu comme ça, je suis sûr que ça compte. De toute façon aujourd'hui j'ai fait mon île, ouais, j'ai fait mon île aujourd'hui. Et il faut aller chercher le morceau de bambou qui est tout là-bas. Du coup c'est parti. J'ai baissé un peu, la musique est forte. Voilà. Je m'entendrai un peu plus parler quand même. Et on récupère le bambou. Et on va parler à Poupa. Ah, j'ai raté mon dash. Et ensuite on ira à Stern du coup, faire la quête à Stern, et puis après on ira à Roendel. Je pensais avoir fait des daily quests sur elle, mais ouais, non, je les avais pas faites. Pas très grave. Hein. D'ailleurs il doit me rester une affinité à faire... Ouais, on va aller faire une petite mélodie du cœur.
Ok, la chambre elle est comment? Poupée module sauvetage d'urgence. Allez, ça peut peut-être se faire. Hop, champ de fuite. On va à Stern, on fait la quête de Stern et puis let's go. Hein. On part au Endel du coup tranquillement. Hop, Arteline. Voilà, William. Bon, on est là, une forteresse, c'est vraiment, vraiment au plus bas. Niveau or, on n'est pas si mal, il nous reste 15 000. Bon, il faudra qu'on reforme un peu de gold en vrai. Tout. C'est vrai, niveau health, on en est où? Parce que j'ai pas trop de check en vrai, j'ai fait un peu le bot aujourd'hui. Lui est bientôt à 600, mine de rien. Après, je sais pas si lui, j'ai pas le stack T1 pour qu'il farme des ressources pour les futurs alts qu'on pourrait monter. Parce qu'artilleur, j'aime vraiment pas trop. Du coup, j'ai après l'élémentiste à faire. La fusilière, elle a tout fait aujourd'hui, je crois. Donc ouais, c'est plutôt tranquille. Hop, la Star Planning. Est-ce que j'ai bien pris mes tâches hebdo avec elle? Oui. Après que j'ai pris le truc du cube parce qu'en soi j'ai une entrée de cube, peut-être qu'on la fera. Hop, du coup, Tripper, il faut aller à Terrail, je crois. Non, c'est pas Terrail, c'est Chute de Risa maintenant. Hein. Ouais. Allez, faire la Daily Quest là-bas. Allez, let's go. Bon, la quête va être un peu longue, je pense. Tac tac tac. C'est quoi entraînement basique? Effectuer des attaques de base. Ok. Bah, c'est vrai que sur la spirit, du coup, j'en fais beaucoup des attaques de base. Vu qu'il y a beaucoup de moments creux dans les. Dans le DPS. Est-ce que j'ai le temps de mes TP? Ouais, je pense. Elle est parfaite. Bon, c'est encore une gravure, c'est laquelle cette fois? Prédateur des terres, détermination, c'est pas ouf. Hein. Du coup, on va s'appareiller, puis direction Wendell. Direction Wendell. Bon, c'est un peu loin, on a pas un petit moment de bateau, mais bon. Comme ça, on peut discuter. On peut discuter.
Mais ouais, l'event est vraiment cool. Après, c'est dommage qu'il nous ait pas offert des fragments d'améthyste. J'aurais bien aimé pouvoir acheter 2-3 trucs dans les fragments d'améthyste, mais tant pis. C'est pas dramatique. Au niveau des journaux d'aventure. Ah, ça les. Ah, le codex, il est pas lié entre ton compte. Ouais, c'est ça, il est pas lié avec ton compte. Oh, ça c'est nul par contre. Par contre, les potions de leçon. Ça c'est bizarre par contre. Parce que du coup, au niveau des besoins de compétences, il nous manque quoi? Il nous manque celle de Punica. C'est 70% de Punica, je crois, donc ça se fera assez facilement. Bon, ça c'est Maldignia, non. Étoile d'Omium, non. Quête Life Frisson, voisin de retour. J'ai bientôt fini les Daily Quests, donc ça devrait se faire vite. Lilo Murmure, c'est vrai que je l'ai pas du tout fait, faudrait que je la fasse. Cœur Géant, ça se fait assez vite. Roendel, pareil, faudrait que je le fasse. Et après, on a tout le reste. Donc, ouais, il nous en manque pas tant que ça des potions de compétences, donc ça devrait se faire assez facilement. Au niveau, par exemple, des potions de courage. Bah, il nous reste toutes celles qu'on gagne avec les affinités, quoi. Quelques quêtes dans les réputes, mais ouais, il nous reste surtout les affinités à monter. Au niveau des runes de compétences, on n'en a aucune légendaire. Ça, par contre, ça fait un peu chier. Parce que ouais, là, on a saignement. En vrai, on pourrait faire les Braleos maintenant que j'ai eu le symbole insulaire d'Orion. Richesse, bon voilà, ça sent l'échange, folie de chagrin. Ouais, faudrait que je l'achète aussi. Faudrait que je l'achète. Débordement, ouais, bah, c'est la deuxième quoi. La rage aux portes du chaos, bah, c'est full random. Jugement, c'est chef-d'œuvre. Focalisation, ruine de Bélion, professeur Farad. Les ruines de Bélion. Ça me dit rien, les ruines de Bélion. Ça me dit rien. Faudra que je regarde où c'est. Et trésor des mers. Et ça, marchand itinérant. Donc en reste, ça va. C'est pas tant de trucs que ça qui nous manque. Ouais, recette de gravure. Bon, voilà. Au niveau objet de collection. Là, j'ai deux symboles en plus à les déposer. Donc on aura chez l'homme numéro 3. On est quand même très très loin de tout ça. Beaucoup d'RNG de toute façon sur les armes insulaires, donc Calvasius, on a bientôt fini. Calvasius, on a bientôt fini. Donc on a bientôt son cœur de géant à Calvasius. Et mine de rien, ça débloquera pas mal de comment? D'affinité pour les autres persos, parce que mine de rien il en coûte 2x2. Sacha, bon problème c'est qu'il faut 300 dans chaque stat, et mine de rien bah je les ai pas encore. Ouais, surtout que je suis pas sur bon perso, mais charisme il m'en manque beaucoup quoi. Ensuite Ninve, bah c'est pareil, il faut beaucoup de stats. Après il y aura la quête de Tuki qu'il faudra que je fasse. Les 7 vivants azur aussi, mais je suis en train de la faire. Du coup, les étoiles d'osmium, comme on a vu, ça c'est la Daily Quest, j'ai bientôt terminé. Il y a l'affinité avec Nia, mais pareil, Nia c'est une plaie à monter, et puis le random drop sur Stella. Elle est du chagrin. Ensuite les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, on a pas mal avancé, mine de rien, on est à 21. 20. Donc là, on a 3000 d'or à récupérer. On a tout ça aussi, mine de rien. C'est plutôt cool. Les graines de Mokoko. Les graines de Mokoko, on est à 960.
Pareil, les graines de Mokoko, ça avance plus trop, mais en vrai, tout ça qui manque, c'est Yant, Phaeton, Roendel, et quelques-unes à Punica, et quelques-unes sur des îles un peu random, et dans l'ensemble, on a pas mal avancé, donc ça va. Symbole d'Ignéa, j'ai un peu stoppé pour l'instant le push des symboles d'Ignéa, parce que l'affinité. Et les feuilles d'arbre monde, bah voilà, les feuilles d'arbre monde, c'est un petit peu random, donc de toute façon, faut pas se presser, et ça, bah. Si t'en as, t'es content, et puis bah quand t'en as pas, ça met du temps. Mais bon, tout monte tranquillement, faut pas se presser. Niveau des défis d'aventure, bah faut passer à 1370 pour faire le hard mode, et là ça doit être Argus, j'imagine. Après tout le reste, on a un peu terminé. Là ils disent de faire Akon la Deus, mais pareil, je sais pas où il est. Reste 2-3 trucs à faire encore là-dedans, mais bon, pareil, hein. C'est. Ça prend. Un tag de World Boss à chaque fois. La porte du chaos et des ténèbres, pareil, ça te prend le tag. C'est un peu pénible. Mais ouais, on avance bien. Niveau expédition, on est 92. Ça avance, ça avance. Il y a des titres aussi qui sont peut-être assez faciles à débloquer, qu'il faudrait que je vois pour les débloquer. Mais bon, ça se fera avec le temps, c'est pas. Faut pas être pressé. Au niveau fait, qu'est-ce qu'on a comme effet intéressant? Récolter les âmes insulaires forcément. Artisanat, obtenir des points de coopération dans le gisement de platine. Ah oui. Ok. Amusons-nous ensemble, etc. Ouais. Plutôt cool. Bon, Megan, c'est quand que tu viens sur le jeu? Ah, je crois que ça veut dire jamais. Bon, NP, le bateau va être détruit, c'est pas très grave. De toute façon, vu le trajet qu'on faisait, ça me paraissait improbable qu'on soit pas détruit sur le trajet. Faut juste penser à réparer le bateau. Mais bon, on sera arrivé à Roendel, du coup on va taper un petit peu les quêtes. On en a bien pour 2 heures, hein. 2 heures, 2 heures et demie, fois 2. Ça va prendre son temps aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à vous taper du Roendel en boucle. Parce que ouais, là ça va être du Roendel en boucle. Je crois que j'ai une écharpe dans le doigt, ça me fait trop mal. Amarrage. Parce que de toute façon, on est arrivé. Et on n'a pas d'autre choix que d'amarrer. Allez, let's go! La halte là, vous n'avez pas le droit de passer. Ouais, laissez-moi passer. Ah, mine de rien, ce plan à Roendel est incroyable. Le plan sur le pont, il est. Gardion. Il a un air de Kaden en vrai. J'ai entendu parler de Tor
Ah ouais, il a vraiment un art Kaden, Gardion. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... Il a un petit art Kaden. Hop, ensuite faut aller en bas. À force de taper Ruendel, on commence à connaître. Hein. Ça fait de nombreuses années qu'un étranger n'est pas venu. Ah oui, mince, faut faire ça. On peut appeler cette magie la bénédiction du Ruendel. On n'insulte pas sa majesté comme ça. Ah, en somme, on pourrait toujours payer des 1000 gold hein, pour skip le continent, mais... Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire de payer 1000 gold? Pas sûr, hein. Les gold, c'est important. Des gold, c'est important. Mine de rien, il y a les petits gains de d'expédition hein, qui nous donne. C'est tout bénéf de faire les quêtes. Je bouge donc je suis. Quelle référence. Aven aime bien jouer des tours à tout le monde avec ses sorts étranges. C'est là-bas d'abord avant. Chez moi, du vent. Je vous aurais prévenu. Faire engueuler par des livres, on aura tout vu. Hein. On aura tout vu de se faire engueuler. Ah, 1500 d'expédition. Mine de rien. Mine de rien. Le skip cinématique marche quand on... Par contre, je sais pas comment on désactive les tutos qui apparaissent. Faudrait que je regarde, parce qu'en vrai, j'ai plus vraiment besoin des tutos. Ah non, j'ai mis... que je voulais pas faire la quête. Ouais, une bête de pas prendre la quête. Sylvaine. Après il va falloir prendre la potion où on est invisible, etc. Il est bien le sprint du Terpion, ouais. Il va loin. C'est Aven, j'espère que vous aurez fini quand vous recevrez ce message. Rejoignez-moi sur la place bord de lac. Je pense avoir trouvé quelque chose d'incroyable. Il est bien en vrai son sprint. Et on fait colère parce que c'est une mode la plus rapide. La prochaine fois je réussirai. Excellent, ça fonctionne. Si l'effet s'estompe, il vous suffit d'utiliser de nouveau la potion d'invisibilité. Il me semble même qu'on peut prendre une monture dans ces cas-là, mais bon, on va le faire sans monture. Oh, c'est étrange. Hein? Oh, les livres de brevetesse, ça ne vaut rien.
Vu qu'on en récupère tellement avec les quêtes que du coup. Coûte pas très cher l'HDV. Mais bon. Halte là. Cet endroit est défendu d'accès. Quelqu'un est en train de nous observer. Allez, direction la tour de l'aube après. A-t-il dit quelque chose de bizarre? Toutou. Allez, on skip. On va aller tuer les élémentaires. Let's go. On va aller faire ces petits élémentaires tranquilles. Que quelqu'un vienne m'aider. Hop, hop. Ah, je suis bloqué. Attendez, je suis en train de me poser une question. Parce qu'en fait, il y a une Mokoko ici que j'ai jamais réussi à récupérer. Et je me demande si elle est pas récupérable maintenant. Ouais, non. Je sais pas comment on est supposé l'avoir, cette Mokoko là. Ouais, juste mettre des autos en arrière, ça va plus vite. Hein. Et c'est G ceux-là. Entre ceux qu'il faut détruire et ceux qu'il faut taper. Ah oui, mais c'est vrai que putain, en plus j'ai pas de potion. Ça va être compliqué, je pense. Ouais, peut-être plus que je prenne le build. Le build pour raid que le build chaos, parce qu'en vrai je prends vraiment très cher quoi. Les éléments sont distordus et ça affecte les élémentaires. Je prends vraiment très cher là, faut tuer les élémentaires de glace parce que ouais, je fais ça mais au final je prends très très cher quoi. J'ai pas tant de dégâts que ça. Je devrais peut-être passer en dégâts crit en vrai. J'aurais moins de dégâts sur l'ult, mais pour faire ce genre de truc, ça serait quand même plus agréable. Parce que là. Et c'est vrai qu'il faut activer la truc là-bas. Ah mon cas. Un peu de mal hein, quand même avec ce perso. Hein. Ça doit se voir, hein, mais ouais, j'ai un peu de mal. Et donc, on prend vraiment très cher, quoi. Ouais, voilà, là, j'ai plus d'énergie, du coup, c'est auto-attaque. Let's go. Non mais j'utiliserai pas de potions, je refuse d'utiliser des potions. Bon ça du coup on va le supprimer parce que de toute façon ça se vend pas, hein. Ça se vend genre à 2 pièces d'or et ça se vend même pas. Du coup NP.
On va le faire comme ça. Alors en plus il va avoir l'assaut des mecs là. Après il y a des bonnes AOE quoi, mais je sais pas, genre même là quand je regarde les dégâts que ça met, c'est pas... C'est pas transcendant quoi. C'est pas transcendant. Je pense que le build est mieux pour faire des trucs solo que le build chaos, enfin que le build Genki Dama. Je suis mort. Hein. Ouais, faudrait que j'essaye avec le build Genki Dama en vrai. Ouais, l'autre, je veux dire. Putain, je vais y arriver. On savait que mourir n'était pas un fail. Hein. Ah bah sans soi, faire un Genki Dama, c'est marrant. Hein. Mais déjà rien que le temps que ça prend. Rien que le temps que ça prend. Ouais alors peut-être le Kamehameha Perfis pourrait être mieux. Ouais au final je mets plus d'auto-attaque qu'autre chose quoi. Il est où le dernier? Il est où le dernier? Il est là. Allez, deux derniers. Il faudrait que je re-enlève l'autolac parce que je l'avais enlevé déjà une fois, mais... Allez, go. Salut, Nana. Normalement, il y a quelqu'un qui parlait, je crois, pas loin. Ouais, Aven. Let's go. Nous sommes perdus. La reine est encore plus extraordinaire que ce que disent les histoires. Mais quand je l'avais fait avec la Gunslinger, c'était passé vraiment crème facilement et tout. C'est vrai que là, depuis Spirit, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Après, attendez. On va check les gravures. Parce que l'autre gravure de classe, ça fait qu'on est l'énergie de 100 points soudain 1, mais l'effet de récupération de l'énergie ne se fait pas pendant 30. Ok. Alors ouais, je pense que je vais tester d'être en build raid. Pour faire des contenus solo. Je pense pas que ce soit forcément le plus rentable, mais je me dis que peut-être avec un peu de chance, j'aurais... plus de dégâts. Après je vais récupérer des potions aussi donc ça devrait se passer un peu mieux. Ça c'est cinématique, elle bug toujours pour se lancer, c'est quelque chose. Hein. Les étrangers ne sont vraiment pas les bienvenus à retour. Ouais. Je suis pote avec la reine, tu le sais pas encore mais je suis pote avec la reine. Allez go. Abéut. Le petit Gandalf. Hop, on skip. Vous êtes arrivé plus rapidement que prévu. J'ai besoin d'une personne digne de confiance. Ah merde, j'ai encore répondu que je voulais pas faire sa quête. J'ai besoin d'une personne digne de confiance. Oui, repose-toi ici, jeune Bambiri.
Jeune Bambelli. Est-ce que Touran pourrait m'accompagner? À partir de maintenant, tu seras sous ma protection. Allons. C'est bien dommage. Je suis en train de réfléchir. Je suis pas encore sous... Non, même pas. Hein. Je suis juste sous Espiré 8x2. Hein. Bah, c'est bien. Hein. C'est vraiment une phase de burst, quoi. Mais du coup, c'est vrai que pour les contenus solo, c'est un peu plus compliqué. Ouais, je suis pas un main spirit, hein. Je vous vois venir. Allez voir à Beyrouth, dans la tour de l'aube. Il vous dira quoi faire. Pas de soucis, vas-y à Beyrouth. Qu'est-ce que je dois faire? La tour de l'aube vous souhaite la bienvenue. Oh. Allez, Ola. Quoi? Ah. Il a eu quelle fin? Ah ouais, voilà. Je t'avais dit que c'était des connards. Mais Red Dead est vraiment très triste au niveau de la fin. Il y a foule. J'espère que ce sera toujours. Il y a vraiment eu des ennuis au prend les ordres. Mais la reine en personne m'a parlé de vous. Ah bah si la reine en personne t'a parlé de moi. Donne quoi toi? Ah, intéressant. Je sens un pouvoir singulier. Cette lettre est bien de la main d'Abeyrouth. Eh oui, elle est d'Abeyrouth la lettre. Je m'as pris pour qui? Ouais, je crois que c'est encore pire. Hein. Et du coup, j'ai dit un long moment où j'ai pas de sort, quoi. Un long moment où j'ai pas de sort. Ah, puis après, si je rate mes sorts aussi. Hein. Bon, on va aller rendre la quête et on repassera sur du chaos, hein, du coup. On repassera sur du chaos quand on peut. Parce que non, en raid, c'est encore pire. Hein. J'ai deux sorts toutes les 10 minutes. Vous les avez déjà trouvés? Vous êtes incroyable. Let's go, on va aller voir Dinus. Avec l'élémentiste, ça devrait aller un peu plus vite. Hein. Ça devrait aller un peu plus vite. Alf, seules les personnes autorisées peuvent entrer. Je suis en service. Et ouais, je pense que demain, on essaiera de faire les journaux d'aventure un peu. Faudrait qu'on les avance un peu, ça fait un moment que... Bon, ça va me troll, là ça va me mettre à 99%. Ah non, 66. J'étais très médisant. Vous avez fait vite, bien. Ah oui, j'ai fait vite. J'étais un peu inquiète. Je ne sais pas comment, mais ça a marché.
Hop, on parle au souvenir de Dignus. Je sens une magie entièrement différente. Mais quelqu'un qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Hop, facile. Je trouve que la classe tombe vraiment peu en fait, c'est ça le problème. Bon, on verra bien. On verra bien dans le futur comment ça se passe. Il ne s'est pas passé grand chose. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de visite que j'ai failli oublier. Ne soyez pas. Mais ouais, je suis obligé de mettre tous mes sorts, genre, pour tuer des deux mobs, genre, c'est... Alors, je sais que j'ai le build burst, quoi, mais c'est vrai que c'est un peu... Elle donne quoi, la quête? Une potion, un truc, mais chier, trop la flemme. Attends, faut pas que je la fasse. À bien faire un échec, comme ça on sera nous sommes. Et si nous sommes, je pourrais être nous sommes légende. On n'oublie pas. Vous voilà. J'étais sur le point de finir mon histoire. Oh, merci infiniment. Grâce à vous, les enfants sont revenus sains et saufs. Oh, eh oui, ils sont revenus. Regardez-moi cette décor. Si vous m'entendez, partez immédiatement pour Bra et la Brise avec Aurelda. Edinus. Comment est-il ici, arrivé quelque Silperia. Chose à sa majesté? Attention! Allez, on va lui apporter le message. Tout. Partons en direction de Bra et la Brise. Non, ouais, ça va vite. Pas pourquoi les gens se plaignent. Let's go, Bra et la Brise en feu, à cause des démons. Ah, j'ai up dans mon expédition avec ces bêtises. Ouais, ça donne des fleurs, on a un peu la flemme. Hein. On va laisser les golems en paix, ils ont rien demandé à personne. Allez, direction le village des fées. Alors, slash parler. Oh, attendez, je vais mettre la game juste après, je vais me mal à l'aise. Qui êtes-vous? Thank you.
Hop, let's go. Ah vraiment il me l'a prise. Ah mais ça les fait disparaître quand je leur parle, ok, tout s'explique. Non mais par contre ça devient relou. Ça devenait relou. Et pas pouvoir parler à une fée sans que quelqu'un me la prenne. Ou autant changer de canal, ça va plus vite. C'est quand même bizarre de pas aider les filles qui sont en train de se faire capturer en direct live. Mais bon. Nous sommes étrangères. Merci de nous avoir aidés. La lecture. Désolé, il y a une petite coupure dans la musica. Ouais bah du coup 93. Mais ouais ça monte plutôt bien. Putain, c'est long pour faire cette quête. Hein. C'est long, c'est long. Ah, si après le G marche pas. Let's go. Je suis jamais chevaucherai un pissenlit. Hein. Es-tu toujours en... Salut Dimius. Ah ouais, c'est vrai, quand est-ce que t'as volé la branche de l'arbre divin? Oh, 76% direct, dis-moi que ça finit en deux trucs. Ça serait incroyable. Oh, c'est incroyable que ça finisse en deux trucs. Ah oui, là, il va falloir lui parler. Faut que je me prépare à écrire. Allez, on demande. De la magie démoniaque dans le domaine des élémentaires. Ce n'est pas impossible. Mais. Merde. Parlez. Ok, maintenant faut aller à l'hôtel de la temple de la tempête. Ça va être la quête où on a le pouvoir de la meuf. Oh bah on va sûrement mourir, hein. Ça va être marrant. Voilà. De quel type de magie s'agissait-il?
probablement qu'on a un stock de plumes de résurrection plutôt impressionnant. Putain, j'ai vraiment une écharpe dans le doigt, c'est désagréable. Ce pouvoir. Oui, je le sens. Bah, on va spammer le pouvoir d'Azena. Hein. Retrouvez-moi. Je ne tiendrai pas longtemps toute seule. On va spammer le pouvoir d'Azena, comme ça on sera sûr de passer. Ah, il faut la protéger. C'est vrai. On va skip hein, quand même. Hey. Kamiamia. Il a dit quoi? Ah, il a arrêté. Ça l'a dégoûté. Ça l'a dégoûté. Grâce à vous. Pas grand chose. T'as la transition entre la fin du jeu et le début du jeu. Si jamais un obstacle vous barre la route, bon, bah on va spam le pouvoir, hein, parce que punaise, ça va être compliqué sinon. Hein. Je trouvais ça pénible avec avec le Warlord, mais c'est vrai qu'avec les Spirits. C'est pas le meilleur build quoi. On aurait juste temporisé le spell hein. Ouais, le truc que ça contrôle pas à chaque kit. C'est ça qui rend le truc dur en fait à jouer. Que du coup tu tankes pas. Mais bon, avec ce sort ça va. Eh ben on va purifier l'énergie. Obligé de me transformer pour tuer des trash mobs, c'est un problème la classe. C'est un vrai problème, j'ai plus d'idée. Bon c'est pas grave, on savait qu'on allait mourir. Hein, donc, au pire, quand on le sait. Un spell où je suis immobile autant de temps ne tue pas un meuble comme ça. C'est vrai. Ouais, les métiers montent aussi. Hein. Faudrait peut-être que je me focus un peu plus sur les métiers en ce moment. Merde, j'ai oublié de faire ça.
Posons sur mer, c'est pas très grave. Y a pas échoue si vous mourrez. Donc si c'est pas marqué, c'est que je peux mourir. Et parce que même c'est bien d'avoir des CD, enfin, la récupération d'énergie plus rapide, mais les CD sont pas plus rapides. Enfin ça doit être si, en vrai, il doit en avoir une vitesse d'attaque de 15%, donc voilà. L'énergie malfaisante qui émane du temple. Faites attention. Voilà, on va attendre le spawn, hein. Hop. Et ouais, en fait, le fait que ça les stagger pas, ça, c'est un vrai problème. Hein. Elle est à l'auto-attaque. Hein. Ah désolé Di, comment tu vas? Ouais un petit peu. Je suis désolé. Il y a un ascenseur à proximité. Ça va et toi? Utilisez-le. Je lisais un truc à côté et j'ai pas fait attention. Votre pouvoir. T'as dit quoi Megan? Non, c'est vrai, je fais pas attention. Bon, on va tenter, hein. Je suis pas sûr que ça fasse. Bon, il est passé le Genki Dama. C'est déjà ça. T'as essayé un peu le Stark, dis ou quoi? Je n'entends plus Silperia. Nous devons faire vite. Non, je joue pas et je comprends pas. Ah. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, c'est vrai que s'il me dit tout, ça va être compliqué. Mais... il y a des trucs sur lesquels je peux t'aiguiller. Quel est le but? Bah de jouer et de s'amuser. Non, en vrai, le but principal de l'histoire du jeu, c'est de récupérer les âges perdus, d'où le nom du jeu. Et après, bah tu fais des boss, tu fais des continents différents, tu fais plein de choses. Quoi? Pas très vendeur. Bah, moi, je suis pas là pour vendre le jeu. Hein. C'est vrai que t'es immense, je pense. Bah ouais, mais est-ce que c'est une OPSP là? Ouais, t'as plein de trucs à faire. Tu peux monter tes métiers, tu peux explorer bah, toute cette map là. Plein de choses. Mais en soi, ouais, l'histoire du jeu, c'est trouver les arches perdues. Et après, bah, tu fais des donjons, tu montes ton stuff, ton perso, etc. Faible comme personne. Je préfère regarder que jouer. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. C'est nul à regarder. En même temps, tu regardes jamais.
Tu m'as dit, faut que tu live, tu regardes même pas mon live. Je sais pas pourquoi j'ai monté cette classe quand même. Bah si, je sais pourquoi mais... Hop là. Donjon nul terminé. Salut Silperia. Et du coup bah après tu montes plein de persos tu vois. Et ça c'est marrant. Monter plein de persos. De monter plein de persos. Après t'es pas obligé. C'est juste que vu que t'as du contenu qui est journalier et hebdomadaire, si tu veux jouer au jeu, faut bien monter d'autres persos. Nous avons empêché une éruption magique au temple de la tempête. Mais pourquoi les élémentaires de... Et du coup tu peux tester plein de classes, plein de trucs différents. Non ouais. On voudrait jamais venir jouer avec moi. Ça y est. Faut que je te paye. Ça fait cher. Non. Oh bah de connaissance ça va pas être 2€. Si. Tu me feras un prix d'amis. Les élémentaires de feu. Pourquoi tu fais à manger ce soir ou pas? Ou faut que je fasse à manger? Bah tu me dis. Je vais te laisser, je vais dormir demain, je me lève tôt, bon stream. Bah pas de soucis, vas-y, bon courage. Jamais agréable de se lever tôt le week-end. À la prochaine. Si tu veux que je fasse à manger, je fais à manger. Mais t'attends pas à la grande cuisine. Oh non. Les nuits elles vont durer longtemps. Hein. Bah j'ai l'impression que mon estomac il va pas les digérer donc. La majesté Azena m'a parlé de vous. Donc ça prendra son temps pour les manger. Mais faudra les mettre dans la chambre parce que si ma mère voit ça elle va faire des remarques encore. J'en ai beaucoup plus que ça. Bien. C'est logique. Ouais, let's go. Bonne boisson, qu'est-ce qu'il faut pour une aventure? Mais du coup, tu veux que je fasse à manger? Et tu fais à manger quand, toi? Demain, tu fais à manger? Eh ben, je vais aller faire à manger, du coup. J'ai pas compris. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Bon ouais, je vais cut le live. Je re-streamerai demain. Là je fais à manger qu'après je mange ma chambre. Très bien. Tout est prêt. Je vais faire à manger. Mais quoi? On ne ressentirait pas tout de suite les effets. Ah moi aussi. Le sort de protection de la tour de l'aube, je vois. Let's go. Et du coup, on va arrêter là. Et je vais aller faire à manger. Hep. Putain, je cherche. Non, c'est celui-là. Ouais, bah du coup, le live, ça a été assez court, mais... Là, je vais aller faire à manger. Ah ouais, demain, je streamerai plus tôt. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur mon G-Doc. Donc voilà.
Mais demain, je pense que ouais, je streamerai un peu plus tôt, vers les coups de 13h, je pense. Ouais. Mais voilà. Allez, sur ce, bonne nuit. À la prochaine.